Le palais normand a été construit sur les ruines d'un ancien château reconstruit en XIe siècle. Les travaux d'élargissement et de consolidation de la forteresse ont été accomplis par les seigneurs féodaux qui se suivirent au cours des années, à partir de la famille des Falcone en 1192 jusqu'aux Gentils 8 ans plus tard. En 1556, le château a changé sa connotation et il est passé de fort militaire à demeure seigneuriale. Tout cela grâce au nouveau propriétaire, les Squarciafico, des nobles bancaires génois qui pratiquaient le commerce et les affaires. C'était par l'Hermann que le palais a été doté de l'actuel portail d'entrée qui a remplacé complètement l'utilisation du pont-levis. La façade monumentale, au contraire, a été affinée entre le XVIe et le XVIIe siècle pour volonté de la famille Pinelli-Pignatelli. Les fenêtres et les balcons même ont été richement décorés en style baroque. En 1927, la marquise Anna Ravascheri Pinelli-Pignatelli a décidé de donner tous les palais aux frères mineurs tertiaires de la Vierge des Douleurs, en mettant fin de cette manière à la longue et prospère propriété de la noble famille Pinelli-Pignatelli.